Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des tendances énergétiques pour la semaine prochaine. Donc on sera le 29 mars, donc du 29 mars au, si je ne dis pas de bêtises, au 4 avril. Je vais y arriver, donc du 29 mars au 4 avril. Donc je vais demander quelles sont les tendances énergétiques, tout simplement pour vous aider à comprendre ce qui va pouvoir se passer aussi à l'intérieur de vous. L'objectif, c'est que vous puissiez reprendre les rênes de votre vie. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia, je suis thérapeute holistique et ma mission, c'est d'aider les femmes à reprendre les rênes de leur vie. En général, elles ont plusieurs difficultés au niveau alimentaire ou image corporelle. Elles ont vécu des choses dans leur vie très difficiles. D'ailleurs, si vous avez besoin d'en savoir plus sur ces thématiques, je vous invite à aller consulter les playlists qui sont consacrées sur ma chaîne YouTube et d'ailleurs à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir les notifications dès qu'une prochaine vidéo sortira. Voilà, les cartes sont un outil parmi tant d'autres, parmi tous ceux que j'utilise pour vous aider tout simplement à révéler ce qui se passe déjà à l'intérieur de vous. Les cartes ne prédisent pas l'avenir, elles sont juste là pour nous indiquer ce qui se passe. Donc c'est une guidance générale, c'est à vous de prendre ce qui va résonner pour vous et le matérialiser dans votre propre vie. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez en faire la demande à travers le lien qui sera dans la description de cette vidéo. Donc voilà, l'objectif ici de cette vidéo, c'est vraiment que vous puissiez comprendre sur quelles énergies on est en train de surfer pour pouvoir vous y adapter, tout simplement, tout au long de la semaine prochaine. Et puis peut-être qu'il y aura des messages, voilà, on verra. Alors, du coup, toc et toc, on va démarrer. Alors, s'il vous plaît, Megan, quelles sont les tendances énergétiques pour la semaine du 29 mars au 4 avril pour les personnes qui verront cette vidéo? Quelles énergies? Alors, il y en a une qui va s'y retourner. Ok, celle-ci. Ok. Alors, il y en a une autre qui voulait sortir, mais qui n'est pas sortie. Donc, je vais juste rebattre une dernière fois, savoir si une quatrième carte. Ok. On va s'arrêter là. Alors, on a un 6 de pentacle, un 8 de pentacle, un roi de denier et un chevalier de coupe. Et en dos de deck, on a un 3 d'épée. Alors, la semaine prochaine, déjà, sur le 3 d'épée, on va être sur peut-être qu'il y a des blessures du passé qui vont faire surface. Ça nous parle d'énergie tierce, pardon, de trahison, de souffrance, de triangulaire. Alors, on va voir du coup par rapport au reste du tirage ce qu'il en est. Encore une fois, hein, vous prenez du recul par rapport à ce tirage, pas parce que il y a le 3 d'épée que forcément tout le monde va être trahi, encore heureux que non. Ça peut aussi tout simplement dire que justement tous ces épisodes-là où il y a eu beaucoup de souffrance, de trahison, c'est triangulaire, tout est en train de se transmuter, tout est en train de s'équilibrer. Puisque c'est aussi l'énergie de la pleine lune du 28, ça va justement peut-être juste remonter à la surface pour vous permettre de le nettoyer, ou tout simplement qu'on est en train de vous dire que c'est ça qui est en train d'être nettoyé, et dans ces cas-là, eh bien, c'est positif. Alors, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le 6 de Pentacle? Alors, on nous parle d'enfant. Donc, le 6 de Pentacle, c'est la carte de l'équité, justement, de réussir à équilibrer justement les dons, ce qu'on décide de donner, ce qu'on décide de ne pas donner, qu'est-ce qu'on reçoit. Donc, d'équilibrer tout ça, d'être dans le partage, mais dans quelque chose d'équilibré. Alors, on nous parle d'enfant, soit dans sa famille, du coup, avec ses propres enfants. Souvent, c'est vrai, quand on est maman, on a tendance à beaucoup, beaucoup donner à ses enfants. Donc, peut-être que là, on nous invite tout simplement à voir si on s'en donne aussi à nous-mêmes. On nous parle aussi peut-être tout simplement de son enfant intérieur, donc juste de par rapport à soi. Alors, sur le 8 de Pentacle. Alors, sur le 8 de Pentacle, ok. Alors, on a la carte de la séparation et du bouclier. Alors, le 8 de Pentacle, c'est prendre un risque, faire un effort, travailler dur, se lancer dans un projet, faire entendre sa voix. Donc, peut-être que vous vous posez...
Je vais arriver. Peut-être que pour certains ou certaines, vous vous protégez d'une séparation. Peut-être que ça vous fait peur. Et pourtant, on vous dit ici avec le 8 de Pentacle qu'il va falloir prendre un risque. Il va peut-être va falloir travailler dur, faire des efforts. Parce que c'est peut-être ce qui est le plus juste pour vous. D'autres, c'est que tout simplement, vous êtes séparés ou la séparation a eu lieu il y a récemment et qu'on vous invite justement à travailler dur pour réussir à vous protéger. Parce que quand on est dans des énergies de deuil d'une relation, d'ailleurs peu importe si c'est une relation de couple ou avec, s'il y a quelqu'un qui est décédé dans votre famille, il y a une forme de séparation. Donc on vous invite peut-être à vous protéger parce que ces énergies de chagrin, de deuil, de tristesse, eh bien ça peut vous fragiliser, donc on vous invite peut-être ici à vous protéger et ça va demander des efforts. Alors ensuite sur le roi de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit sur le roi de bâton? Alors le roi de bâton nous parle d'amitié. Alors le roi de bâton, c'est donc un homme, une polarité masculine qui passe à l'action, qui est passionné, qui reprend son pouvoir. Donc en amitié, soit effectivement vous avez des amis qui vous permettent justement peut-être par rapport à cette séparation à reprendre votre pouvoir, hein, à vous inviter justement à passer à l'action, à être, à travailler dur, hein, à devoir faire des efforts dans la matière. On vous invite peut-être à retrouver votre flamme et peut-être que ce sont les amis qui vont vous y aider. Donc là, on vous invite à sortir un peu de votre coquille et de voir aussi autour de vous quelles sont les personnes sur qui vous pouvez compter. Chevalier de coupe, qu'est-ce qu'on peut dire? Ok. Alors, chevalier de coupe, on a la carte du boomerang. Chevalier de coupe, c'est une communication sincère, une déclaration d'amour. Ce chevalier vient vers vous pour vous déclarer sa flamme ou tout simplement pour avoir une communication qui soit honnête et sincère avec vous. Et donc là, on vous parle du boomerang. Donc peut-être que vous attendiez une déclaration d'amour ou en tout cas une communication sincère avec une personne. Et là, on vous dit que peut-être qu'il était parti un peu parce qu'il flippait. Et en tout cas, là, on vous dit qu'il est en train de revenir. Ou alors, en lien avec ce 3 d'épée aussi, par rapport à ses blessures du passé, trahison triangulaire, etc., peut-être que vous avez un peu mis de côté. Alors, ce qui me vient là, peut-être, comme ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que la séparation qui aurait dû avoir, vous en êtes protégé, vous êtes éloigné finalement ce chevalier de coupe, c'est-à-dire que vous avez repoussé cette communication sincère parce qu'il y avait beaucoup de souffrance, il y avait beaucoup de choses, et pourtant là on vous dit que ça va remonter à la surface, les blessures du passé vont remonter à la surface, que vous en êtes trop protégé justement de cette possible séparation, en tout cas c'est pas forcément se séparer de quelqu'un, mais aussi se séparer de vieilles habitudes dans un couple aussi. Mais en tout cas, peut-être que ça, c'est en train de revenir et que cette communication sincère que vous n'avez pas eue par rapport à ces trahisons, par rapport à ces blessures du passé, eh bien, ça va revenir la semaine prochaine. On va vous inviter à de nouveau à avoir cette communication sincère et peut-être que ça amènera vers une séparation, encore une fois. Ça peut être se séparer d'idées aussi. Ce pourquoi vous vous protégiez avant. Et donc, encore une fois, peut-être que ce qui va vous aider, ce qui va permettre de vous soutenir là-dedans, ça va être vos amis, hein, de pouvoir être justement dans cette action-là, de déclarer, de communiquer sincèrement. Vos amis vont peut-être vous aider aussi à déclarer votre flamme. Peut-être que ça peut être ça aussi. Et alors, en dos de deck, on a quand même la carte de la joie. Donc, j'ai envie de dire ouf, parce que ce 3 d'épée, il n'est pas tip-top, et pourtant, je pense que c'était vraiment, entre guillemets, avant, ce qui va remonter à la surface, parce que pour certains, ça n'a pas été nettoyé, purifié, donc pour certains, c'est en train de revenir, mais on est quand même sur des énergies de joie, donc c'est quand même, encore une fois, quelque chose de positif. C'est pour retrouver la joie parce que bah, finalement, vous êtes beaucoup protégé de la séparation, vous avez un peu mis de côté la communication qu'il devait y avoir. Et pourtant ça vous a protégé la séparation, mais ça vous a aussi vous empêché d'être en joie et de pouvoir construire quelque chose, peut-être avoir des enfants, peut-être être dans ce partage, etc. Alors on continue. Alors pour le coup, je vous ai interprété le tirage au fur et à mesure. Alors 6 de pentacle et enfant. Alors,
6 de pentacle et enfin on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la séparation, le chagrin, les cœurs brisés, le regret. Bon, vous avez compris, hein, on est encore sur ces énergies-là. Voilà. Donc peut-être que justement, il y en a pour qui vous protégiez d'une séparation, peut-être parce qu'il y avait des enfants dans le lot. Et pourtant, du coup, ça vous a empêché d'avoir une relation qui est équilibrée. Peut-être que vous avez trop donné et pas assez reçu, ou peut-être que vous n'avez pas assez donné dans la relation. Parce que peut-être qu'il y avait des enfants et pourtant encore une fois ça occasionne du chagrin, des regrets, etc. Peut-être il y a encore donc cette énergie ici de séparation. Donc on nous invite encore une fois à nous séparer là de les énergies vont nous pousser à nous séparer de ce qui ne nous permet pas d'être en joie. Hein. Alors sur 8 de pentacle, séparation et bouclier. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors on a la reine de bâton. On avait le roi de bâton ici, maintenant on a la reine de bâton, donc pareil, hein. Là c'est en gros, ça va concerner tout le monde, hein. Femme, homme, polarité féminine, polarité masculine, qui reprend son pouvoir, qui est la magicienne. Alors la reine de bâton, c'est aussi la créativité, elle est la magicienne de sa vie, elle a beaucoup de passion, elle a beaucoup de désir, elle peut même être séductrice. Donc on vous invite peut-être à bien du coup à travailler dur, ça va demander beaucoup d'efforts justement pour redevenir cette reine de bâton, cette femme qui est la magicienne de sa vie, qui est aux commandes de sa vie, qui a beaucoup de passion, qui sait ce qu'elle veut et qui avance et qui est dans une énergie de joie. Peut-être que du coup pour retrouver cette reine de bâton, donc il va falloir prendre des risques, faire des choses et peut-être que ça va passer par une séparation que vous protégez ou peut-être que c'est suite à une séparation on vous invite à quand même rester protégé pour pas être trop fragilisé par ces énergies de séparation, de chagrin, de tristesse, etc. Et on vous dit ici que vous allez redevenir cette reine de bâton, ça va vous donner l'énergie pour. Alors sur roi de bâton et amitié, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a un arcane majeur ici, donc on a l'empereur. Alors l'empereur, hein, c'est aussi un roi, hein, donc quelqu'un qui est sur son trône, qui sait ce qu'il veut, c'est un leader, un grand chef. Alors attention, il peut paraître un peu autoritaire, mais en tout cas, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il prend les décisions, je trouve pas le mot, c'est pas... il prend des décisions et il y va. Et j'ai aussi le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est une relation en miroir. C'est en lien avec les blessures du passé, ce que l'autre va nous montrer par effet miroir aussi par rapport à nos blessures. Donc on nous invite peut-être à prendre des décisions par rapport à ça, à reprendre notre pouvoir, c'est-à-dire ne plus se laisser happer par cet effet miroir en se disant c'est l'autre, c'est horrible, il m'a trahi, rien. Non, soyez l'empereur, reprenez votre pouvoir, soyez ce roi de bâton, soyez dans l'action, passez à l'action. Et encore une fois, c'est peut-être vos amis qui vont vous aider à prendre, à vous rendre compte de ça. Peut-être aussi que c'est vos amis qui vont du coup faire titiller un peu cet effet miroir. Le 6 de coupe, ça peut aussi symboliser encore une fois les blessures du passé ou le retour d'une personne du passé. Donc on est encore une fois dans ce boomerang. Peut-être qu'encore une fois, il y a une personne du passé qui revient et qui va enfin être sincère et peut-être vous déclarer sa femme ou être dans une communication, etc. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui finalement, parce qu'on a toujours notre libre arbitre, hein, n'ont pas réussi à passer à l'action et à dire les choses, etc. La semaine prochaine, c'est une nouvelle invitation à le faire. Il y en a qui, du coup, vont revenir sur leur décision, vont pouvoir, du coup, faire ce grand retour, ce grand comeback pour, justement, être dans quelque chose de sincère et pour redevenir, reprendre les rênes, hein, tout simplement, et être au pouvoir, être la reine de bâton, le roi de bâton, l'empereur, pour vraiment être aux commandes de sa vie, tout simplement. Et alors, sur chevalier de coupe et le boomerang, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, il s'est retourné dans le paquet, je crois. C'est retourné, j'ai pas le temps de l'avoir. Alors, on continue, chevalier de coupe et boomerang. Alors, c'est le valet de denier. On a presque toute la famille. Alors, le valet de denier, c'est un nouveau projet. Le nouveau projet, c'est-à-dire que denier, donc c'est dans la matière, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose, ça peut être dans le travail, ça peut être du matériel.
Comme c'est quelque chose de nouveau, il peut y avoir un peu d'humidité, de manque de confiance en nous. Mais en tout cas, on nous dit que c'est nouveau et qu'il va falloir reprendre confiance en nous. C'est aussi, ça va peut-être nous demander un effort, hein, de travailler dur, d'être entouré pour pouvoir y aller. Mais en tout cas, on va finir la semaine sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose de concret à mettre en place dans la matière. Alors évidemment, la série, je l'ai beaucoup tournée au niveau sentimental parce qu'on avait ce chevalier de coupe et puis les séparations, les chagrins, etc. C'est ce qui m'est venu à l'esprit. Mais encore une fois, vous pouvez adapter ce tirage au niveau professionnel. Vous séparer d'un travail, vous séparer d'un collègue, avoir une communication franche et sincère avec un collègue, avec un patron. Et ce qui va engendrer du coup la création d'un nouveau projet. Hein. Encore une fois, vous vous adaptez à votre propre vie, toujours pareil. Et on finit ici en dos de deck avec le 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est le travail, c'est l'argent, la réussite professionnelle, la santé, une bonne santé, des rentrées d'argent. Donc on est aussi sur cette énergie de joie, c'est-à-dire que tout ça, ça va aussi avoir des répercussions très concrète, très matérielle au niveau de votre travail, au niveau de votre santé. C'est-à-dire que peut-être que justement le fait de vous protéger de tout ça, de cette communication sincère, en fait ça vous bouffait la vie et ça vous permettait pas d'être aussi en bonne santé. Donc tout ça, ça va être vraiment positif pour vous. Et malgré ce 3DP ici qui est que en dos de deck, on n'a pas, malgré les trucs de séparation, on n'a pas non plus des cartes horribles, j'ai envie de dire. Donc je pense que vous allez être vachement entouré et secondé, hein, avec cette carte de l'amitié, et que ça y est, la décision est prise, vous êtes vraiment aux commandes en fait. Donc je pense que ça va se faire assez, assez simplement. Voilà. Alors, est-ce que les cartes du Dixit veulent nous ajouter quelque chose par rapport à ce tirage pour les énergies de la semaine prochaine ? Donc du 29 au 4 avril. Alors, ok. Alors, j'ai celle-ci qui est tombée, donc on est sur cette évolution. Donc sur cet homme qui est en train aussi de monter cette échelle, on a ce singe ici qui rayonne. Peut-être que voilà, on regarde des gens qui sont peut-être plus évolués que nous, mais en tout cas ça nous permet de suivre aussi le chemin. Et que c'est, alors là ce qui me vient, c'est les échelles, c'est cette notion de une marche après l'autre. On y va progressivement pour atteindre finalement ce rayonnement, pour être pleinement nous-mêmes, pour aussi peut-être qu'on nous invite ici à nous connecter à la terre, aux animaux, à notre côté primitif aussi, nos pulsions. Peut-être que c'est ça aussi dont on a besoin pour justement être ce roi de bâton, c'est d'être connecté à ses passions. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cet animal ici, mais en tout cas il y a des échelles et on est en train de grimper et on est guidé surtout. Alors je vous mets ça ici. Et en dos de deck, donc j'ai ça. Donc voilà, pour moi, là, ça me symbolise vraiment ce 3DP. C'est-à-dire que vous pouvez avoir peur justement de ce qui va arriver, que c'est un gant avec beaucoup d'émotions, hein, on le voit ici. Donc peut-être un petit cocktail d'émotions qui va arriver où ça nous prend un peu à la gorge. Et pourtant, cette communication sincère, elle a besoin d'être là. Donc n'ayez pas peur, même si ça fait peur comme ça, ce ne sont que des émotions. Et c'est surtout, c'est que même si on a l'impression que c'est un gant de monstre, on voit ici que c'est bien un humain. J'ai presque envie de dire, s'il faut, c'est presque sa propre main qui nous prend à la gorge. Donc sortez aussi de ça, ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Alors au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la semaine prochaine avec ce tirage et cette interprétation ici? Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? Alors j'ai une carte qui s'est retournée. Alors tiens, environnement extérieur nocif, d'où peut-être cette notion de bouclier et de protection, d'où aussi peut-être tout ça. Peut-être que effectivement, là encore une fois, comme je vous disais avec ce patron, etc., vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a des choses extérieures à vous qui sont nocives, que dont vous avez besoin de vous séparer et aussi de vous protéger. Mais ça n'empêche qu'à un moment donné, il va falloir aussi avoir une communication, hein, pour être aussi dans une énergie de nouveau départ. Vous pouvez avoir l'appui de vos amis, mais peut-être que vous allez vous rendre compte, voilà, de cet environnement extérieur nocif, qu'il y a des choses finalement, des personnes ou des situations qui sont toxiques pour vous, qui justement vous prennent à la gorge et vous avez besoin de vous en séparer et ou de vous en protéger. Et en dos de deck, j'ai le passé, hein, donc je vous parlais tout à l'heure de blessures du passé, donc il y a peut-être des choses du passé qui vont ressurgir justement. Ou en tout cas des choses du passé qui n'avaient pas été...
suffisamment éclairci, suffisamment abordé, et ça a généré tout un environnement extérieur plutôt nocif. Vous avez attiré peut-être quelque chose de nocif autour de vous parce que ce passé n'avait pas été... Ou alors vous protégez de votre passé, vous n'arrivez pas à vous détacher, à vous séparer de ce passé, et finalement ça génère plutôt quelque chose de nocif. Quel est le message pour la semaine prochaine pour les personnes qui regardent la vidéo? Quel est le dernier conseil que l'on peut apporter? Alors, donc la carte qui vient de sauter, c'est laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laissez la vie vous éloigner de ce tourment. Faites de la place dans votre vie et dans votre quotidien pour un renouveau. Voilà, je ne vais pas tergiverser plus longtemps, je pense que vous avez compris. Hein, je vous parlais de séparation et de laisser... De vous séparer de certaines choses. Bah voilà, là, c'est le conseil de votre âme, c'est voilà, de mettre un terme à des choses qui sont mauvaises pour vous, de laisser les choses s'éloigner. Mais encore une fois, ça se fait... Voilà, on laisse la vie nous éloigner de tout ça. Ça se fait plutôt, je trouve, encore une fois, simplement parce que vous reprenez le pouvoir sur la vie et vous êtes bien entouré, vous êtes aidé. Donc, je n'ai pas la sensation que ça va être très difficile. Voilà, ça c'est le conseil. Et en dos de deck, on a aussi se respecter. Donc en lien aussi avec ce 6 de pentacle, hein, dans cette notion d'écouter, posez vos limites, écoutez-vous. Et respectez-vous en fait, voilà, portez-vous le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de vos choix et de vos décisions. Donc voilà, on vous invite encore une fois à vous respecter et à ne pas vous laisser faire par un environnement externe nocif ou une personne, une situation, etc. Voilà, eh bien, je crois que c'est tout. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez bien sûr me laisser vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de voir que les tirages, les cartes vous parlent, que vous arrivez justement à les adapter à votre propre vie. Encore une fois, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez le lien dans la description de la vidéo pour passer commande. Et merci d'avance pour vos likes. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage la semaine prochaine. À très vite.